Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe d'aujourd'hui est offerte par Mme Chantal Simon. En ce premier vendredi du mois, nous prendrons les prières de la messe du Sacré-Cœur et les lectures du jour. Nous saluons la présence de ce Dieu d'amour qui se manifeste comme un cœur plein d'amour. Et nous entrons dans cette célébration en regardant nos vies à la lumière du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, nous te connaissons bien, mais nous demandons parfois de nouveaux signes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous connais et tu sais ce dont nous avons besoin. Prends pitié de nous. Seigneur, nous ne voulons pas te rejeter. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du Christ, mets en nous le feu dont brûle son cœur. Nous lui ressemblerons alors davantage et nous pourrons entrer dans le bonheur qu'il nous a mérité pour toujours, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job. Quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la providence? Prépare-toi au combat comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin? Assigner son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en fasse tomber les méchants d'une secousse? Elle donne à la terre sa teinte vermeille, elle la colore comme un vêtement. Elle enlève leur lumière aux méchants et brise leurs bras qui se levaient. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu exploré le fond de l'abîme? As-tu découvert les portes de la mort, l'entrée du pays de l'ombre? As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière? Quelle est la demeure de l'obscurité? Peux-tu cerner son domaine? Reconnaître les sentiers de sa maison? Tu peux le savoir, car tu étais déjà né, toi qui comptes un si grand nombre de jours. Job répondit alors au Seigneur, « Je suis trop peu de choses, que puis-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne dirai plus rien. J'ai parlé deux fois, je n'ai plus rien à rajouter. » Parole du Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tu me devances et me poursuis.
Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, alléluia. Mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait : Malheureuse es-tu, Chorazine ? Malheureuse es-tu, Bethsaïde ? Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pour situer l'Évangile de ce matin, il faudrait peut-être débuter avec un cours de géographie. Ces noms de villes ne demanderaient des explications pour les auditeurs de Jésus. Tyr et Sidon étaient de grandes villes phéniciennes, donc païennes aux yeux des Juifs, tout près d'Israël, dans ce qui est maintenant le Liban. Pour les Juifs, ces villes représentaient le monde païen, un monde que l'on considérait comme corrompu, fermé au message du Dieu d'Israël. Les Évangiles nous disent pourtant que Jésus est allé dans ce territoire, qu'il a visité, qu'il est même allé s'y reposer. Mais l'essentiel de son ministère, on le sait, s'était déroulé en territoire juif, dans des villes comme Chorazine, comme Bethsaïde et Capharnaüm.
Ces villes avaient donc été témoins de l'action de Jésus. Elles étaient peuplées de Juifs qui avaient entendu le message des prophètes. Ils avaient eu accès, un accès privilégié à la parole de Dieu qui annonce que Dieu vient vers son peuple, que Dieu enverra son Messie. Leur refus de croire en celui qui est l'envoyé de Dieu et qui a manifesté par de nombreux miracles sa présence, ce refus est donc surprenant et je dirais décevant pour Jésus. On devine donc dans cette phrase une sorte de tristesse de Jésus qui constate que ceux qui auraient dû normalement accueillir cette présence et cette parole sont ceux qui résistent le plus. Malheureuses sont ces villes parce qu'elles avaient tout pour accueillir le message du Messie et elles n'ont pas su l'accueillir. Ce regard historique et géographique nous permet maintenant de découvrir un message qui dépasse le contexte de ce temps. Dieu s'est manifesté par la venue de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes ont le privilège de connaître cette immense révélation, mais ils peuvent, comme les gens de Chorazin, de Bethsaïde, demeurer indifférents, tourner l'oreille pour ne plus entendre, ne plus être conscients de cette présence du Seigneur qui les invite à se laisser interpeller par sa parole. C'est pourquoi le passage d'Évangile se termine avec une invitation à demeurer à l'écoute. Il y a dans cette conclusion un encouragement aux messagers de l'Évangile. Luc nous dit que Jésus parlait aux 72 disciples, donc à un grand nombre de disciples qui, autour de Jésus, étaient invités à aller annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus dit à ses 72, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Ces paroles s'adressent maintenant à la première communauté chrétienne, à l'Église, aux nouveaux messagers de la bonne nouvelle dans la première communauté chrétienne, pour leur rappeler qu'à travers eux, c'est le message de Dieu qui est proclamé. Ceux qui vous écoutent, m'écoutent. Et ils se mettent à l'écoute de Dieu. Donc, prenez courage, vous qui êtes les messagers de la bonne nouvelle. Le texte leur rappelle aussi leur responsabilité, puisqu'en annonçant la bonne nouvelle, ils invitent les gens à s'ouvrir à une parole qui vient de Dieu. Par cette parole venue de Dieu à travers les messagers de l'Évangile, le Seigneur est présent parmi nous et il nous invite à demeurer à l'écoute. Il est si facile de nous laisser prendre par les multiples bruits du monde qui nous entoure, de nous laisser distraire de l'essentiel. Et l'Évangile nous invite à revenir, rester à l'écoute, faire silence en nous pour savoir entendre le Seigneur qui nous parle à travers notre prière, à travers ce qui nous entoure, à travers les événements de notre vie. Les gens qui ont vécu au temps de Jésus ont eu l'occasion de le rencontrer au long du chemin. Sa présence parmi nous est sans doute plus discrète, plus mystérieuse, mais aussi réelle. Et dans la foi, nous savons qu'il est présent parmi nous et qu'il nous invite à nous mettre à l'écoute de sa parole. Demandons donc au Seigneur de nous garder ouverts à la parole et à sa présence et disponibles à nous laisser façonner par cette parole de vie.
présentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un si grand amour que tu nous as donné ton propre Fils. Accorde-nous de ne faire plus qu'un avec lui, afin de te présenter une offrande digne de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est lui-même offert pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les êtres humains attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton amour et nous t'adressons cette prière. Accorde-nous de ressembler dès maintenant à Jésus-Christ et de partager un jour sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint-Joseph et Saint-Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.